canapé. Viens t'asseoir. Non, je vais venir tester le canapé. Oh, comment tu prends? On a un paquet. Il y a quoi dedans? Ah mais c'est pas pour nous, regarde, il y a le nombre de blogueuses dessus. Alors, il y a des fruits. Donc c'est quoi ça comme fruits? Des oranges. Des oranges bio, attention. Hein. On nous a réservé vraiment. Je crois que c'est le panier de repas qu'on va devoir travailler avec ce... C'est notre premier défi. Hein. Oh. Des petites tomates cerises. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Ah, on a une lettre. C'est pas pour nous. Bah si, c'est nous. Hein. Alors, bah non, c'est pas notre nom, hein. C'est au nom d'autres blogueuses. Je crois qu'il y a eu un petit échange de... Passer un bon challenge, l'équipe communication à Dajo. Ça se trouve, c'était pour l'autre blogueuse. Bah remets tout dedans. Ça se trouve, c'est pas l'appart, c'est pas le nôtre. Alors, on va quand même lire la lettre, mais si elle est en allemand, on va avoir du mal. Non, mais... ouais, tiens, vas-y. Maman, mais non, mais c'est bon, moi, je pense qu'elle est ailleurs, du coup. Maman, pourquoi tu dis pas le nom? Je pense qu'elle est arrivée, c'est ça. Pourquoi tu dis pas le nom? Mais bah, si, elle a le nom de l'autre blogueuse, bien sûr. Mais maman... Alors, on va lire. Toute l'équipe Adagio vous remercie pour votre participation. Maman. Attends, je lis. La prise en charge comprend les deux nuitées en appart-hôtel pour vous et votre famille. Les frais de bouche, etc. Bon, ça, c'est tous les détails de notre invitation. Il y a tout le programme. Hey, tout le programme, tu vois, jour maman, après jour. On dit, mais c'est notre appart. Ouais, c'est notre appart. T'inquiète pas, on va pas te virer. Hein. Tu me prends pas du tout, là, toi. Alors, concept. Là, c'est tout le concept. Challenge. Défi numéro 1. On y va. Le défi consiste à réaliser le plus beau repas à l'aide d'un panier contenant divers ingrédients mis à disposition dans la cuisine. Ah, mais c'est pas ça, en fait. Là, ils sont mis à disposition dans le salon. C'est peut-être... Moi, je respecte les consignes. Puis de prendre une photo, une vidéo, comme à la maison, du repas préparé de votre famille à table. Le partager sur vos réseaux, mais ça, on va le faire. On va le partager avec vous. Mais je vais quand même voir s'il n'y a pas un autre panier dans la cuisine, parce que je veux dire, je veux bien préparer un repas avec ça. Mais il y a des pâtes, des oranges et des tomates cerises. Je sais pas, enfin, après, voilà, on peut faire des tomates cerises, on peut faire du sucré salé. Moi, je pensais qu'il y aurait plus de choses. Peut-être taper un petit peu ces ingrédients dans un moteur. Il est malin, Thomas. Thomas, il est connecté. Il va taper ses ingrédients et peut-être qu'on va avoir une recette de fou. Sauf qu'on n'a rien d'autre. On n'a pas acheté d'oignons, de... On va aller voir dans la cuisine. Tant bien, on va aller voir dans la cuisine. C'est notre appart. Ah ouais, c'est notre appart. Ah non, on a un autre panier dans la cuisine. En fait, ça, c'était juste pour... c'était un cadeau, quoi. Non, mais moi, je me suis dit, non, ils nous ont donné une orange pour faire à manger. Hugo, il est complètement excité. Il y a un frigo. Il y a un frigo, mon chéri, c'est bien. Il est là, le panier repas. Ah oui, d'accord. Alors, un plaid pour pouvoir manger sur le canapé. Ah, du couscous. Maman, allez, on va faire un petit plat marocain. Maman, ah oui, okay. Loulou. Du lait fondant, alors on va faire du couscous, du chocolat au lait, oui. On va faire du couscous au chocolat au lait. Des légumes à couscous. Bon, bah en fait, c'est facile, hein. Je vais mélanger la semoule aux légumes de couscous, on va pas s'embêter. Hein. C'est pas compliqué leur truc. Fastoche. Des petits sablés. Sablés caramel au sel de Guérande. Tout bio, hein, je constate. Du désodorisant. On va faire une petite sauce au désodorisant. En fait, on va faire un petit peu de semoule et de légumes à couscous, puis on va asperger de petites sauces au désodorisant. Je pense que c'est pas mauvais. Les enfants, ne faites pas ça chez vous, hein, ça peut être très dangereux. L'huile d'olive fruitée. Alors ça doit être vraiment super bon. J'ai jamais goûté d'huile d'olive fruitée. Au moins, comme ça, on mélange des légumes, des fruits. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le panier? Il y a d'autres choses? Alors, on va manger... ça. C'est quoi? Je sais pas. C'est des petites. Regarde, des petits cylindres de bois. Tiens. Oh non. Il y a un câble. Mais c'est vert. C'est pour mettre de la musique. Ah, c'est pour faire à manger avec de la musique. Maman, mais c'est vert. Ah oui, c'est vert. On va manger ça. Ça, c'est de la ciboulette. Génial. J'adore la ciboulette en plus. Ah, sauf qu'il faut la faire pousser, non? Alors, on va attendre plusieurs jours que la ciboulette pousse. Attends, non, elle est dedans. Non, mais attends, c'est une blague. Non, il faut la faire. C'est pas de la ciboulette, ça. Un peu de des graines de ciboulette, non, mais je te jure.
Il faut les faire pousser. Mais, non, mais comment on va manger la ciboulette? C'est sympa, c'est pour plus tard. Ouais, mais c'est sympa pour plus tard. Maman. Et puis, on va du thé, de la tisane, du sucre. Ça, c'est pour le petit-déj, je pense. Ils ont pensé quand même à tout. Ils ont pensé aussi au cocktail agrumes. Donc, on va prendre un petit apéro, hein, au cocktail agrumes. Et de l'eau. L'eau du mercredi, évidemment, parce que c'est le jour des enfants. J'ai soif. Allez, on va voir. Et ça, je sais pas encore ce que c'est, ces petits cylindres là en bois, mais. Ça. J'ai soif. On va tirer. Non, on joue une languette. Je tire. J'ai soif. Ça. Ah, ça doit être le sel et le poivre. Ça, c'est le sel. Ça sent vachement le sel. Maman, j'ai soif. Attends, écoute, je vais te donner à boire, Loulou. Deux secondes. Bien. Petite salée. Ah, mais c'est trop mignon, quoi. Je pense que les enfants, ils s'amusent avec ça. Voilà. Et puis une poivrière. C'est rouge, donc à mon avis, c'est le poivre. Voilà. Ah, c'est chou. Ouais, puis en plus, on peut les remplir pas, je pense. Tu crois que c'est chou? Ouais, t'as vu comme c'est chou? Regarde. C'est pour ça. Ça, ouais, c'est le sel. Regarde. Mais pas de ce côté, sinon le sel il tombe. Regarde. Non, non, non. Ouais, c'est ça. Évidemment, on lui dit de pas faire, il fait. Hein. Bon. Bon, bah, on va voir ce qu'on peut faire à manger avec ça et puis on va le partager avec vous. A tout de suite! Alors, donc on va faire le couscous, ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il recommande? Et alors, comment on incorpore de l'orange dans le couscous? Tu veux incorporer l'orange dans le couscous? Bah, je sais pas. Je pense que c'est pour faire du jus d'orange le matin. Non, ah. Bah, ils veulent qu'on intègre tous les... Non, non, je pense pas. Les oranges étaient dans ça. Oui, voilà, on n'est pas obligé. Conseil d'utilisation, un verre de couscous pour deux personnes. Voilà, on va faire un et deux. Maman, il n'y a pas de lit pour moi. Mais si, il y a deux lits. Mais il n'y a pas de lit pour moi. Ah bah, il n'y a pas de lit de bébé, mais toi, t'es un grand maintenant. Alors, des ciseaux. Moi, je vais recommencer. Donc, des ciseaux. Attends, papa et ses mamans, puis après, il arrive. Alors, on va couper et on va faire un verre et demi. Alors, ce serait peut-être bien, vu qu'il faut faire... Oh, fais voir. T'as vu? Tu mets le couscous dans un verre. Par contre, ils disent qu'il faut un nombre d'eau. Ah, imbiber le couscous avec une cuillère à soupe d'huile d'olive par verre. C'est pour ça qu'on a l'huile d'olive fruitée. Faire bouillir l'eau salée dans une casserole, puis retirer la casserole du feu. Ajouter immédiatement le couscous, laisser reposer. Donc, l'eau, il y a combien d'eau par contre? Ajouter autant de verres d'eau que de verres de couscous. Donc, on va prendre un autre verre de la même contenance. Ouais, regarde, on va remplir ça d'eau, vas-y, c'est toi qui es fait. Vas-y, remplis d'eau, mon bébé. Et là, je vais chercher les casseroles. Voilà. Je pense que c'est là, vous voyez. Ça y est? Ça va éteindre, attends. T'inquiète pas, il est un peu stressé là, Hugo, parce qu'il est bon, ferme-le. Ouais. Voilà. Donc c'est un verre. Non, 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 pas tout de suite. Pour l'instant, on va faire bouillir l'eau déjà. Hop, on y va, on fait chauffer. On va mettre un verre et demi, puisque je vais mettre un verre et demi de couscous. Donc on met un demi-verre de plus. Voilà. Un verre et demi, puisque un verre c'est deux personnes et on est deux et demi. Voilà. Voilà. Donc on va faire... Mais t'as pas besoin d'aller dessus, chérie. Voilà. Donc là c'est bon. Il faut mettre de l'huile d'olive. Mais tu vois. Regarde. On va aller chercher. Il veut tout faire, Hugo. Mais c'est moi qui veux mettre de l'huile d'olive. Alors, les couverts. Je crois qu'ils sont où les couverts? Pardon Hugo, on va regarder là. Par contre les couverts, je sais pas. Tiens, pardon Hugo, on va regarder là. Bon, ça c'est la poubelle. Les couverts, ils sont où? Ils sont peut-être dans le salon, non? Ah, ils sont dans le sèche-couvert là. Ils sont là-haut? Ouais, ils sont là. Ah, ils sont là. On va les descendre du coup. Voilà. Donc ils ont dit une cuillère à soupe, une cuillère à... Et ça, le couscous? Une cuillère à soupe, donc c'est bien ça. Une cuillère à... On prend une cuillère à soupe. Je peux faire. Tu veux remplir avec l'huile? Ouais. Alors vas-y, je la mets et tu me tends le verre. Tiens chérie, c'est normal qu'il veuille participer. Dedans. On met dedans? Ouais. Allez. Je crois que c'était dans la casserole qu'on faisait ça. Tu crois non, ils ont dit dans le couscous? Non, on met pas dans le verre. Mais si, ils ont dit dans le verre. Mais si, regarde. Le verre c'est pour doser ça. Attends. Ils ont bien dit ça. Imbiber le couscous avec une cuillère à soupe d'huile d'olive par verre. Oui. Imbiber. Non, on l'imbibe, c'est tout, avant. Non, et en fait, après, faire bouillir l'eau salée dans une casserole. Ça n'imbibe pas, il ne va pas descendre l'huile d'olive. Bah si, il est imbibé. Bien sûr que non. C'est la recette, moi j'ai suivi l'ordre.
Ils n'ont pas dit de le mettre couscous, du gruyère. Le couscous, tu le mets dans un récipient, le verre, c'est pour doser. Ah oui, mais c'est le récipient, le verre, là, on a utilisé le verre. Qu'est-ce qu'il y a? On va s'embrouiller à l'appart hôtel à Adagio. C'est pareil, on va pas prendre un récipient en plus. Ouais, on ça ne peut pas imbiber le couscous, non. Je t'explique. Ah, ça rentre dedans. Non, c'est pour moi, c'est en haut, pas en bas. Et puis, un demi-verre, là. Bah oui, alors on a des récipients là, mais ils sont peut-être pas assez grands pour mettre tous les couscous, tu vois. C'est pour ça que c'est plus facile de prendre un verre. Ok, ça prend ton verre. Ah, c'est bon. Voilà. Donc là, on va mettre une demi-cuillère d'huile. Et moi, et moi. Allez, c'est toi qui mets. Imbibe le couscous dedans. Vas-y. Voilà. Ça rentre dedans, ça pénètre, ça s'imbibe. Et moi, je peux en mettre. L'eau, pendant ce temps-là, elle est en train de bouillir. Ça a l'air de bien fonctionner, je mets à fond. Et puis de notre côté, on va faire les légumes. Moi, on n'a pas vu beaucoup d'huile. Non, mais c'est ça. C'est la quantité qui était indiquée dessus. On va respecter la recette, hein, parce que si on commence à en faire monter notre tête, on va manger 15 ans. Là. Faire réchauffer les légumes 10 minutes à la casserole. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Là, on n'a pas besoin de se prendre la tête. Ajouter une pointe de cumin. Ah, ils ont oublié le cumin. Ah, peut-être pas, regarde. Hugo, qu'est-ce que tu fais là? Tu remets la caméra. Oh non, on en a mis partout. Non, Hugo, là, si on en a mis partout, je crois que l'appart hôtel, on va le saccager. Voilà. Un peu de cumin en début de cuisson avec un filet d'huile d'olive. On va mettre aussi de l'huile d'olive. Donc, une autre casserole. C'est pas grave, Hugo. Une autre casserole. Ah, ben, il y en a une grande là. On va utiliser celle-là. On va mettre là. Et on va faire chauffer tous ces légumes. Non, mais là, on est bon. On est bon. On est bon. Voilà. C'est quand même pas compliqué. Hein. Hop, un petit légume à côté. On est en train de saccager la cuisine. Ah, ça y est, ça boue là. Ça boue là? Ouais, ça boue. Donc on met le couscous. Il faut l'enlever du feu et faire reposer. Ils ont dit qu'il fallait faire reposer. Oui. Avant. Oui. Attends. On se souvient pas de ça. Faire bouillir l'eau. Puis retirer. D'accord. Du feu. C'est bon. J'ai retiré. Puis retirer la casserole du feu. Ajouter immédiatement le couscous. On ne peut pas reposer tout de suite. On peut reposer quand il y a le couscous. Donc à nous deux, on y arrive. Et moi, j'ai pas fait. J'ai rien fait, maman. Vas-y, tu arrives, regarde. Non, mais le couscous, laisse-le, loulou, parce que comme ça, il nous en reste pour les autres jours. Donc voilà, on laisse maintenant le couscous grossir, cuire dans l'eau bouillante. Voilà, donc de ce côté-là, est-ce que je l'ai allumé? On va le remettre dans la même, sur la même, hein, parce qu'elle est déjà chaude. Voilà, ils ont dit un petit filet d'huile d'olive. Dedans, regardez-vous. Le cumin, on n'en a pas, mais je ne pense pas que ce soit très très grave. Je peux voir. Eh oui, allez, viens, viens voir. Elle est pas géniale notre recette? En fait, on a fait tout simple. Hein. Voilà, on a fait simple, mais au moins c'est rapide. On arrive, on est fatigué, il est 20h, on a eu beaucoup de trajets et du coup, bah, c'est pratique. On fait cuire tout ça. On est à la maison, on n'a pas besoin d'aller au restaurant, de coucher le petit tard parce que là, on va le doucher. Le coucher, il va être super en forme pour demain. On va lui faire prendre un petit bain. Ouais, on va lui faire prendre un petit bain dans la super baignoire là-bas. Donc là, ça cuit. Alors voilà, je viens de préparer nos tomates mozza. On va mettre donc un petit peu de sel. Et moi. Et moi, toi aussi. Toi, c'est vrai qu'on veut pas mettre de couscous. Voilà, un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. On y va. Ils sont mignons. Comme à la maison. Comme toi, tout comme à la maison. Et ce qui est très bon avec la tomate mozza, c'est de mettre un petit filet d'huile d'olive. Je te le laisse pour toi, ça. C'est délicieux. Moi, je t'en mets pas, toi? Et moi. D'accord. Et moi. Tu es autorisé au régime. Oui, toi, un petit filet d'huile d'olive. Non, tu ne mets pas ça. Voilà. Mais pourquoi? Parce que... Maman, tu en as jamais trop. Non, mais il ne faut pas trop en mettre. C'est pas bon sinon. Allez, on y va. Bon appétit. Allez. Et voilà le couscous pour nous aussi. Et Hugo, je crois qu'il se régale tellement qu'il veut manger mon couscous. Tu veux manger mon couscous? Petit coquin. Rien de bien différent de la maison. Voilà. Le maître mot, bien organisé de la vaisselle. Et voilà, une fois la panse remplie, tout le monde dort. Et venez écouter, Thomas ronfle hyper fort. Regardez, venez. Je suis épuisée aussi. Il faut
faut bien que je passe ma vidéo. Chut. Donc là, c'est ma chambre. Écoutez. Vous entendez? Vous avez entendu? Bon, allez, je vous souhaite une bonne nuit. Et on est reparti dès demain matin pour une aventure extraordinaire et un deuxième défi. Bye bye!